Bonjour de Gaza, nous sommes le lundi 4 décembre 2023. Terrible nouvelle, donc l'occupation a bombardé mon immeuble. Hier soir, mon appartement est détruit totalement et mon frère et sa famille sont assassinés. Mon frère, un ingénieur en agronomie, très honnête, très sincère, connu à Gaza par ses services pour les pauvres de Gaza. Il était assassiné avec sa famille, chez eux, sa femme et ses cinq garçons et filles. Et donc l'immeuble, mon immeuble était détruit totalement et mon appartement au deuxième étage était détruit. Et malgré ça, je resterai toujours à Gaza, je ne quitterai jamais Gaza. Malgré cette terrible nouvelle, malgré donc cette situation dramatique, je suis devenu sans abri et je cherche un refuge. J'ai perdu mes affaires, mes services, mes souvenirs, moi et toute ma famille. Donc on cherche un refuge. C'était hier soir, c'était terrible. Devant les ruines de ma maison, de mon immeuble, de mon appartement, il ne reste rien. Mais je garde espoir pour l'avenir. Merci beaucoup, Ziad Midou, Gaza Palestine.